et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog créatif. Je peux vous dire que c'est le numéro 13 et qui j'espère qu'il va nous porter chance avec de jolis projets. Je le sais puisque je viens de finir de monter le vlog qui est en train d'exporter là, puis après je vais le charger sur YouTube. Il est un petit peu long d'ailleurs, 1h15, mais je crois que vous aimez bien les vidéos longues, donc ça devrait vous plaire. Bienvenue par ici, bienvenue chez moi, je vous invite pour une semaine avec moi à me suivre dans mes aventures créatives qui vont autour surtout du tricot, mais on parle aussi un peu de crochet, de couture, de broderie de temps en temps, et puis de ce que j'aime bien, des choses que je peux acheter, aller voir, tout ça. J'essaie de vous partager un petit peu mon quotidien toute la semaine, j'essaie de vous prendre tous les jours, c'est pas toujours évident, parce que le week-end généralement... je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai que je prends moins de temps pour filmer, donc vous avez des petites ambiances en début de vidéo. Et après, pendant la semaine, ma semaine de boulot, je vous prends petit à petit, un petit peu tous les jours. Parfois, le mercredi, c'est plus difficile, mais j'essaie quand même. Alors, une semaine commence, enfin, on est vendredi, donc une semaine de vlog commence. Et ça va être la dernière du mois de mars, enfin presque quasiment, puisque dimanche de la semaine prochaine, de la semaine où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez à la sortie, c'est le 31 mars. Donc, normalement, je fais un tirage au sort avec des petits papiers, des projets que je souhaite faire, mais comme c'est la fin du mois, j'essaie d'avancer, voire de terminer quelques projets pour pouvoir ensuite passer au projet créatif du mois d'avril. On va faire le petit point sur tout ce que j'ai sur mes aiguilles et ce que j'ai pas commencé et que je devrais faire. Voilà. côté grosse pièce, j'ai en cours le Love Knot, un Love Knot de Tin Can Knits, qui est ici, qui est on va dire là, le corps est terminé, peut-être que je vais le démonter parce que je le trouve très court, c'est pas grave, et j'ai la première manche qui est en cours, qui doit se faire toute droite, celui-ci va aller en bas dans le salon pour le tricot tranquillou zéro cerveau, ce que j'appelle zéro cerveau. Je le tricote avec deux fils de mon shop. Là, on a un coloris qui n'est pas dans le shop parce que c'était un coloris, un essai en fait que j'avais fait. Je pense que c'était une surteinture d'un coloris qui ne me plaisait pas trop. Je l'ai appelé Friche. C'est un marron assez froid, un peu nuancé, mais pas trop. Et là, on a le coloris à cornes que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté sur BFL déjà. Et là, il est sur coloris, il est sur mohair et soie. Et j'aime beaucoup. Il est nuancé, en fait c'est pareil, c'est une base aussi marron grisé et puis il y a des nuances de vert, de orange. Je vais essayer de vous montrer sur la manche en jersey, voir ce que ça donne un peu, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, si vous voyez un peu, on a des nuances de orange, de vert, et j'aime beaucoup, ça donne une profondeur en fait à la couleur. Donc ça, il faudrait que je termine, ça serait cool de le terminer. Après, s'il n'est pas terminé, c'est pas très grave, hein, il va courir. Alors, tout ce qui est... Donc là, c'est un projet cadeau. Je vous en parle du Love Knot parce que j'ai commencé à vous en parler. Mais après, je ne vais pas parler des autres parce que ça fera donc l'objet de vidéos à part que je vous proposerai en décembre qui s'appellera les feuilletons de l'Avent. Et en fait, je vais essayer de tourner une fois par semaine pendant, enfin, depuis début mars, hein, parce que là, je n'ai pas commencé avant. Mais vous montrer l'avancée de tous mes projets, genre comme un petit feuilleton. Et je vous le proposerai à la fin de l'année. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je m'organise, comment les choses évoluent au fil de l'année par rapport à mes envies, à mon temps. Est-ce que je réadapte? On essaiera de faire un petit point une fois par mois sur les calendriers, où j'en suis, ce que j'ai pu acheter. Voilà. Bref, vous saurez tout ça petit à petit. Il faut savoir que j'ai 4, 5, 6, j'ai 6 calendriers de l'Avent à faire. Et donc voilà, du coup, il y a un peu quand même d'organisation à mettre en place. Je ne fais pas que des cadeaux faits main, attention. Bref, ça, on va arrêter d'en parler. Je vous en reparlerai en fin d'année pour vous annoncer. Mais donc, sachez que
en plus de ce que vous voyez là au quotidien, il va y avoir des cadeaux que je fais, mais que je ne vous montrerai pas cette année parce que j'ai envie que ce soit secret. Voilà, tout simplement. Et même les cadeaux pour mes enfants, parce que je sais que mes enfants parfois regardent et que même des copains de mes enfants regardent parce qu'ils essaient de trouver des images où il y a mes garçons. Bon, pas de façon méchante, hein, vous inquiétez pas, parce que je les mets rarement en vidéo dans des situations, enfin je les mets même pas dans des situations gênantes, donc c'est toujours bienveillant. Donc normalement, il n'y a aucun souci. J'en ai parlé déjà avec eux. J'en ai parlé aussi avant de mettre des images avec mon compagnon. Bref, c'est un sujet... Donc moi, je montre parfois mes enfants, mais c'est une volonté de ma part parce que ils font partie de mon monde. Et ce carnet créatif est aussi un carnet de bord. D'ailleurs, très marrant. La semaine dernière, on a regardé avec mon fils... Lucien, j'ai regardé, je vous mettrai la petite vignette, la vidéo où c'était genre au début de la chaîne, quand j'ai invité Simon qui avait 8 ans à ce moment-là, ou 9 ans, je sais plus. Bref, et il faisait un tirage au sort avec moi, et c'était trop mignon parce qu'il avait un feu sur la langue, c'est trop chou, et c'est très agréable de pouvoir le revoir sous ce format-là. J'aime beaucoup, voilà, donc pour moi c'est vraiment... C'est un support qui est pérenne pour mes enfants aussi. C'est vraiment comme un carnet intime. Bien entendu, je vous parle rarement de ce qui ne va pas. Je vous parle surtout de ce qui va bien. Mais c'est justement un support qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et tourner avec vous, vous parler de choses qui me mettent en joie, bah forcément, ça me fait du bien à moi aussi. J'espère que d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous transmets, mais je crois que oui, parce que... Enfin, pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui m'envoient des messages tellement gentils, tellement touchants. Je vous assure que parfois, je reçois des messages, j'ai les larmes aux yeux, parce que vous me dites à quel point ça peut vous faire du bien de me retrouver et de d'avoir l'impression de partager mon quotidien. Et si je peux vous apporter ce petit bonheur, mais vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir aussi. Donc ça me fait du bien, et si je vous fais du bien, eh ben tant mieux. Moi je dis, voilà, c'est que du plus. Mais bon, sachez que voilà, il y a quand même une grosse part de réalité. Bien entendu, je ne vous parle pas de ma vie personnelle, rarement. Si parfois j'ai des questionnements, oui, mais quand je pense que le sujet n'est pas un sujet polémique, parce qu'on n'est pas là pour ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Bon. On va parler un peu ensuite. Donc là, je vous ai parlé du Love Note. Je vais reprendre mon planning. Donc, on met de côté les cadeaux. J'ai 3 cadeaux en cours. Donc, il faut que je m'organise un peu parce que c'est compliqué. Pour les échantillons, je dois faire des échantillons. Il m'en reste un à faire pour le mois. Donc, je vais essayer de le terminer ce week-end. Ce serait bien, comme ça, je suis OK, je suis clean, je suis bien. Ensuite, en cours, en perso, j'ai les Color Palette Socks qui sont... Je suis à la deuxième chaussette et mon objectif de cette vidéo, c'est de les terminer. Parce qu'après, j'aimerais monter des chaussettes autorayantes avec mes laines pour Simon. Voilà. Quand j'aurai fini les Color Palette Socks, je pense ce week-end, il y a des chances, je mettrai là-haut ceci. Voilà. Ceci qui est très joli, hein. Franchement. Ça va là. Petit à petit. Ah mais franchement, j'ai pas honte. Hein. Tout va bien. Ah, qui va bien là avec mon boxy. Voilà. Donc ceci est le début de la capuche au lit. En tout cas, j'aime bien l'essayage. En plus, c'est super parce que du coup, on va y aller tranquillou. Eve, tu veux tout dire en même temps, ça va pas marcher. On se calme. Donc j'ai commencé sur la vidéo précédente, je vous montrais que j'avais fait cette bande là. Et ensuite on va remonter des mailles en fait de chaque côté de la bande. Et puis on va, par un jeu de rang raccourci, etc., tourner autour pour vraiment faire la capuche sur mesure. Et ça, je trouve ça trop cool. Donc après, la longueur, c'est celle que vous souhaitez. Bien entendu, elle donne une indication. Mais chacun a une tête plus ou moins haute.
Et donc, voilà, moi, je vais pouvoir l'essayer, alors que la capuche bon bec, comme on la monte du bas vers le haut, on peut moins bien l'essayer. On peut l'essayer quand même, hein, parce qu'on peut l'enfiler quand même. Mais voilà, donc je suis super contente. Je tricote ça avec... Je crois que je ne vous l'ai pas dit sur la précédente vidéo. C'est nul. Donc, avec cette très belle laine, qui est malheureusement une laine que vous ne trouverez pas en France, puisque c'est de la belle de Hartfield. Hartfield, la belle. Qui est du mérino nylon. Là, 80% mérino, 20% nylon. Elle est très twistée, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Et donc c'est un gris très clair avec un peu de notes de gris foncé, un peu froid, et du vert, il fait penser à mon vert avocado, un vert avocat quoi. Et c'est le coloris Le Fleuve, voilà. Je l'associe à de la Drops Kid Silk, ici, qui me restait dans mon stash. Et ça donne cette belle couleur. Franchement, je trouve ça trop chouette, qui va être vraiment un basique pour aller avec mon manteau d'hiver. Ça ira très bien, mes deux manteaux, puisque c'est quand même du gris, mais il y a un petit peu de fun quand on le tricote. J'aime beaucoup. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que l'échantillon est quasiment identique à celui de la capuche bon bec. Et en plus, je me suis dit, comme je l'ai laissé sur moi, il n'y a pas vraiment besoin. Je suis partie sur des aiguilles 3,5. Attends, c'est ça ? 3,5, et puis je ferai les côtes, je ferai les finitions avec des aiguilles 3. Je crois que elle fait Émilie, elle préconise du 4. Bon, moi, comme je tricote lâche, généralement j'anticipe. Voilà, donc ça, c'est ce sur quoi je suis en train de tricoter pendant le montage de ma vidéo. Je l'ai pas mal avancé puisque j'ai avancé par rapport à la semaine dernière. Donc ça va avancer rapidement. L'idée étant de le terminer parce qu'en plus c'est un de mes challenges du bingo. Autre challenge du bingo qu'il faut que je fasse ce week-end absolument. Ou le week-end prochain, je ne sais pas, mais il faut que je le fasse. T'es où ? Là. C'est ça que j'ai tiré au sort. Donc, il faut que je fasse ce week-end. Je vais les laisser sortis pour les voir. Sauf que ça ne tient pas debout. Très embêtant. Donc, c'est un DIY set de des Sœurs Green. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire aussi. Pardon. Sinon, j'ai aussi... Donc là, ça, c'est ce que j'ai en cours. Il y a deux choses que je n'ai pas fait. Celle que je veux reprendre... Oh là là, par contre, c'est déchiré. C'est très moche. C'est ça. C'est le White Flowers de je sais plus qui. C'est pas mal hein, comme information. De Katia Gorbacheva. Et donc, il y a toute une grille. C'est issu de... Ah, je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez là? C'est une étole avec un champ de fleurs. Voilà. Et ça, tu peux vous montrer. Je l'ai monté en 2021. Donc c'est un hibernating project sur, je dis ça parce que sur Ravelry, vous pouvez, quand vous mettez des projets de côté, les mettre en mode hibernating. Donc ils hibernent, vous voyez. Là c'est le cas. Je l'ai monté un été, je crois. Et oui, parce que la photo que j'avais faite, c'était une photo où on était sur la plage. C'était genre, j'ai dû le monter à cette époque-là. Et je l'avais plus ou moins commencé. Et d'ailleurs, il y a des jolis marqueurs dessus, des marqueurs que j'avais fait. Je vous montre sur l'envers, regardez. Et je suis contente, j'ai envie de les retrouver, ces marqueurs. Ils sont trop jolis, avec des petites perles. C'était vraiment sympa. Bref. Et là, il y a un... Ah ben, je me demandais où il était, celui de Madame Manon. Attendez. Un petit renard de Madame Manon. Il est trop choupinou, n'est-ce pas? Bref. Voilà, donc j'en suis là. Donc ça se tricote en rond. Mais en fait, si mes souvenirs sont bons, attendez, parce que on a cette bande-là qu'on va ensuite couper pour faire la bordure. Donc en fait, ça se tricote en rond, ce qui est plutôt sympa, hein, parce que on est toujours sur l'endroit.
Et comme on fait des... C'est un jeu, en fait, de mailles torses. Donc, que j'ai commencé. C'est un diagramme qui fait à peu près 80 lignes. Donc, c'est toute une page de diagramme. Et j'ai fait 10 lignes. Donc, tout simplement. Là-dessus, regardez, hop, là, il y a des petites choses qui sont en train de se créer. En fait, on est en train de faire les tiges. Je le tricote avec ma laine. Laine et lin, ce mélange-là, de laine et lin, qui est de la déca ici, mais que j'ai aussi en fingering. Mais alors, je la préfère en déca. Donc, voilà. Elle fait 233 mètres pour 100 grammes. Et là, c'est le coloris vert de gris que j'adore. Il faut dire qu'on n'est pas loin de ma couleur d'yeux. Voilà. Donc, ça, je tricote avec ça. Et je suis bien contente de reprendre. Et j'ai aussi retrouvé. Je me demandais où il était. C'est quoi ça? C'est une mouche? Mon pochon. C'est un pochon que Gaëlle m'avait offert, si je dis pas de bêtises. Hein, Gaëlle? Non, tu t'en souviendras peut-être pas. Mais il est trop mignon. Bref. Voilà, donc ça, bah écoutez, je l'ai toujours pas repris. Et cette semaine, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Je vais, en fait, mon objectif là-dessus est de l'avoir terminé pour le festival Laine Fleurie, qui a lieu le 4 et 5 mai, auquel je participe. Et je veux pouvoir vous la montrer là-bas et vous la faire toucher pour que vous voyez le bonheur de cette laine qui a l'air rêche au départ, mais qui est tellement, tellement chouette. Il est vraiment très, très chouette. Excusez-moi, moi je l'ai tricoté sur le top Cadakès d'Atelier Émilie en jaune Hello Sunshine. Et je l'ai porté même quand il faisait très chaud. Donc c'est très léger, le lin c'est très léger. Et j'adore. Bref, je vais le reprendre cette semaine. Il n'y aura pas de tirage de petits papiers. Mes petits papiers des deux projets que j'ai pas fait, ils sont là. Et je vais m'organiser comme je le veux pour que ça avance. Le second papier, c'est la Woodside Christmas Blanket, qui est un patron gratuit que je fais. Je fais une section par mois et il n'est pas sorti encore. Donc, il faut que je sorte. Je vous montrerai à ce moment-là. J'ai une vingtaine de rangs, je crois, à faire, ou une trentaine de rangs, je ne sais plus. Donc, un ou deux jours de tricot dessus devrait aller. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les sortir. Mais l'idée, c'est de tricoter ma section avant la fin du mois. Donc, si, faudra que je me bouge un peu pour le faire, tout simplement. Au programme aussi, j'aimerais coudre un pantalon côme de Anne Cardiles, c'est ça, je crois, que j'ai coupé déjà. Donc ça, j'aimerais bien le coudre dimanche. Et j'aimerais bien me coudre aussi les deux t-shirts que j'ai coupés il y a... C'est quoi les deux modèles? Je sais plus, on en reparlera à ce moment-là. Il y a un plantain, mais l'autre, je sais plus lequel c'est. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Demain, le programme du week-end. Alors, le programme du week-end, on n'a pas de dîner, on n'a pas de... si, il y a mon beau-père qui vient samedi midi, mais c'est tout. On a juste un truc, c'est qu'on a notre ville qui a un petit cinéma de ville. Vraiment, il n'est pas très grand. C'est une salle de spectacle, en fait, qui fait office de cinéma. Et il propose demain, samedi, de passer d'une 1... suivi de Dune 2. Et on s'est dit que... Enfin, c'est mon âme qui a eu l'idée de faire ça, parce qu'on est quand même des grands fans de Dune et de Frank Herbert. Je suis en train de lire, moi, le... Enfin, je suis en train. Je vais lire le tome 4... le tome 5, pardon, de Dune. Il y a 6 volumes. Donc, en fait, j'ai lu tout. Et en fait, là... Celui que je vais lire a lieu... Ça a lieu très loin après, voire même après. Je crois que c'est Les Hérétiques de Dune, le tome 5, si je dis pas de bêtises. J'en parlerai sur ma chaîne lecture si ça vous intéresse. Et les livres sont très beaux, je me les suis rachetés parce qu'il y a une nouvelle traduction qui a été faite. Et donc je les ai achetés dans la collection Relié Robert Laffont. Si c'est trop beau. Voilà. De toute façon, vous savez que j'aime bien Dune puisque j'ai fait un livre des couleurs avec... avec ce roman que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai vu que Julie, Loli Pelote, avait beaucoup aimé aussi le film. Moi, j'ai adoré aussi. C'était trop, trop bien. Et les bouquins sont vraiment incroyables. N'ayez pas peur, d'ailleurs, parce que moi, j'ai eu peur d'y aller pendant des années. Et en fait, le jour où j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais non, en fait, mais quelle stupidité d'avoir peur parfois des livres. Jamais, il faut jamais avoir peur. De toute façon, si un livre ne vous plaît pas, vous le fermez.
Mais c'est quand même dommage d'avoir peur de se dire oh, j'ai peur de pas comprendre. Voilà. Donc moi j'ai arrêté maintenant de faire ça et je suis contente d'avoir arrêté de faire ça parce que c'est inutile. Voilà. Bon, on a fait le point sur ce que j'allais faire cette semaine, je crois. Puis j'irai, si vous avez des questions, je viendrai répondre à vos questions. Là, on est vendredi après-midi, il faut que je retourne travailler après cette longue introduction. Donc je remets mes lunettes et c'est reparti. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai mis mes lunettes, mais elles sont vraiment très très sales. Je vais les nettoyer. Voilà, donc on va voir. Là, de toute façon, fin de journée, je vais aller me poser avec mes chaussettes là-haut. Tricot, lecture, ça sera très bien. Et puis après, cet après-midi, peut-être un peu avancé, je me ferai peut-être une pause ou deux avec la capuche. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'allais vous dire. On se retrouve ce week-end. Allez, bisous, bisous. Ce sera mieux quand même parce que là, je vois plus rien. Le papier, là, j'utilise rarement. Généralement, ce qui marche très bien, c'est de l'eau chaude savonneuse. Et ensuite, vous essuyez. Ça marche aussi bien. Et c'est vachement plus écolo. Hein. On est d'accord. Et la lumière fuit. Hello du dimanche.
J'espère que vous allez bien. Donc, c'est l'après-midi. Ce matin, j'ai tricoté un peu sur mes cadeaux. Trop contente. J'ai d'ailleurs fini la première manche du Love Note que je vous montrerai quand il sera fini, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à vous montrer à un autre moment. Vous avez vu, j'ai aussi fait les petits champignons. Voilà, donc je vous en parlerai. Enfin non, je peux vous en parler maintenant. Donc c'est un patron d'Esther Green, un patron de couture et de broderie, qui est très bien expliqué. Tout est déjà prédécoupé, donc c'est trop cool. Le seul truc où j'ai galéré, et vous avez vu, c'est qu'elle, dans le patron, il est préconisé de coller la queue du champignon à la tête du champignon. Et moi, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai cousu. Voilà. Et voilà, tout s'est bien passé. Je l'ai cousu et franchement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai trois couleurs. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Franchement, ils sont trop jolis. Ils sont bien réussis. Je suis fière de moi. C'est important. Hein, j'arrête pas de vous le dire, mais voilà. Donc rien à expliquer. C'est que des images sur le patron. En même temps, il n'y a rien de très compliqué. Voilà. Je ne connais pas le nom des points de broderie, donc je ne vous les dis pas. Mais c'est pas parfait, mais c'est mignon. De toute façon, franchement, là, je suis plus fière de ça que du raton laveur que j'avais fait la dernière fois. Je le trouve vraiment joli. Voilà. Petite déco d'automne, fort sympathique. Et en plus, on peut les accrocher. Toc. Ah non, mais c'est vraiment trop chou. J'aime beaucoup. Donc, je suis fière de l'avoir fait, surtout que c'était mon bingo. Il y avait ça, et il y avait quoi d'autre? C'était quoi l'autre bingo? C'était ça plus... Impossible de me souvenir. Attendez. C'est la capuche au lit qu'il faut que je termine. Elle est en cours. Elle est où? Elle est là. Je l'ai un petit peu avancée hier, avant d'aller au cinéma. Mais je ne l'ai pas reprise après, parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais on est pas mal. Je vais vous l'essayer à chaque fois, parce que le ridicule ne tue pas. Voilà, moi je vous le dis. Et tant qu'à faire une capuche... Autant l'essayer. Et là, ça marche bien avec ce modèle. Et je suis à la moitié de ma tête. Donc ça avance. Tout va bien. Je vais la reprendre un peu cet après-midi. J'ai envie. Mais avant ça, je vais faire de la couture. Parce que les garçons sont partis se balader rapidement. On a fait un bon repas. On a mangé des huîtres. Encore pour fêter un peu l'anniversaire de mon homme. Et un bu un peu de vin blanc. Et c'était trop bon, je me suis régalée. Trop bien, voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Si, le cal, j'ai lancé hier le cal du Itofude, du cardigan Itofude. Et je peux vous dire quelle laine je vais utiliser, puisque hier, je suis allée chercher mes laines. Donc, le Itofude cardigan, c'est celui-ci. C'est de Hiroko Fukatsu. Je vous mettrai le petit visuel que j'ai fait pour le cal pendant que je vous parle. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez sur Instagram votre pseudo et je vous ajoute au groupe de discussion. Il n'y a pas de problème. C'est Fred Dudef qui m'avait offert le patron en 2020. Il est temps que je le tricote. Vous avez vu, je tricote les patrons qu'on m'offre. Je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je veux le faire. Et je suis vraiment contente de prendre le temps cette année de... Voilà, de faire les projets que j'ai envie de faire et de pas me laisser déborder par ceux qui me font de l'œil. Alors, je suis pas quelqu'un qui vraiment surfe sur la vague de « Oh là là, ce patron, il est sorti, j'ai absolument envie de le faire. » Non, moi, je suis pas du tout. Mais alors, je pense qu'on peut dire que je suis vraiment pas du tout comme ça. Il faut que je réfléchisse. Il faut qu'il y ait un moment, la laine me tombe, voilà, tout de suite, que je me dise « Tiens, celui-là, ce serait pas mal pour faire ce projet-là. » Alors, pour celui-ci, ça faisait longtemps que je voulais le faire. En revanche, je n'avais pas associé de laine au projet. Et là, donc, c'est Marlène, Minimalou. Coucou Marlène, je te fais des bisous. À chaque fois, t'aimes bien. Enfin, t'aimes bien, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime bien te faire coucou par écran interposé. Donc, Marlène, elle m'a dit, allez, on le fait ensemble quand je l'avais mis dans mon Make Nine. Bah écoute, avec grand plaisir, parce que moi, j'adore ce modèle et ça va me pousser à le sortir. Donc, on va le faire. On va le commencer le 1er avril. Enfin, vers là. On va peut-être se faire un cast-on du 1er avril. Il faut que je fasse l'échantillon, d'ailleurs, avant. Et du coup, je me suis dit, on va faire un cal à plusieurs. Et effectivement, on est plusieurs à vouloir le faire. Donc, c'est très bien. Et du coup, je suis allée chercher dans mes laines hier. J'ai vu plusieurs choses qui, potentiellement, pourraient me plaire.
Et j'ai sorti ce coloris de Arco Iris Yarn, qui est dans mon stash depuis longtemps. C'est la base Yakari qui fait... Il y a de la soie dedans. 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Elle fait 366 mètres pour 100 grammes. Elle est très douce. Il y a un petit halo. Vous allez voir un petit peu. Ouais, ça, c'est la soie. Et le yak aussi. Hein. C'est pas que la soie. Parce que sur la soie aussi, ça fait ça. Mais sur le yak, encore plus. J'aime beaucoup. Pourquoi je le fais dans ce coloris foncé ? Parce que je me dis que sur mes petites robes d'été, ça peut être sympa en fin de journée. Et que concrètement, les gilets, j'en mets rarement en fait en été. Hein. Donc, je le vois plutôt comme un cardigan que je porterai en demi-saison. Un peu comme le pull en dentelle que j'ai tout en dentelle. Je le porte sur un débardeur et sur des petites robes. Donc là, je pense que ça va être bien d'utiliser ces trois écheveaux que je trouve très beaux. Alors... Il est très proche de mon coloris Andrea, que j'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, j'en ai un là, parce que j'ai eu une précommande. Et donc, quand je l'ai teint, je me suis dit, ce serait pas mal de le faire. Et puis, je me suis dit, en fait, dans ton stage, t'as celui-là. Là, franchement, on est d'accord qu'on n'est pas loin. Comment est-ce qu'elle a appelé son coloris ? Nausicaa. Moi, je l'ai appelé Andrea. Et franchement, on est vraiment, vraiment pas loin. C'est à peu près le même coloris. Sauf que moi, il y a plus de zones noires. En même temps, c'est pas la même base. Hein. Bref. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je le fais avec mon propre coloris ? Ça aurait été bien pour montrer ce que donne mon coloris. Mais j'ai mon stash. Et mon stash, je l'aime et j'ai envie de l'utiliser. Il faut que je vide ces bacs. Mon objectif, vraiment, quand j'y pense là, j'ai trois bacs qui sont quasiment remplis. Si je pouvais en enlever un, le vider, vider un de mes bacs, ça serait top. On est sur la bonne voie. Parce que j'avais trois bacs remplis à ras-bord plus un carton avec des laines à côté. Et là, j'ai plus le petit carton. Et j'ai un des bacs qui se désemplit. Donc, continuons là-dessus. Voilà. Ça me motive de voir mes bacs qui baissent. Donc, je vais utiliser mon stash. Et c'est pas grave. Le Andrea, j'utiliserai sur un autre projet. Mais on est d'accord que... Si ça vous tente, certes, il y a Arco Iris Yarn qui fait le coloris Nausicaa qui est très beau, mais il y a aussi EV3 qui fait le coloris Andrea qui est très beau aussi. Voilà. Non, mais c'est vraiment une couleur superbe. Voilà. Donc, je suis très contente. Surtout, en fait, ce qui m'a plu, je me suis dit, il y a du Merino et il y a de la soie et du yak. Et cette base-là, moi, je ne l'ai pas. Et je pense que pour un petit cardigan d'été, là... Oh, ça va être trop bien. Voilà. Donc, ce sera ça. Voilà, je suis en train, je vous parle parce que là c'est rare que je vous en parle, mais là je suis en train d'écouter le podcast d'un jeune homme. Et en même temps il est un peu plus jeune que moi là. Un jeune homme, il va être content s'il passe par là, je sais pas s'il passe par là. Donc qui s'appelle Clément, et Clément il a commencé à faire des podcasts et il s'appelle Monsieur _ Knitting. Et j'aime beaucoup. Alors, je spéciale dédicace parce que j'adore ton accent si tu passes par là. Ça me fait du bien d'avoir cet accent-là qui chante, donc c'est super. Et en plus, il tricote des projets de Steven West, et j'aime beaucoup ce qu'il tricote. C'est un tricoteur qui tricote depuis peu, finalement, et j'aime bien ses associations de couleurs, donc sait-on jamais. Si tu passes par là, je vais peut-être te laisser un petit message, parce que c'est ton premier podcast. Et d'ailleurs, il a été vu énormément de fois, donc félicitations. Je pense que tu vas vite avoir une chaîne qui monte en puissance. Et c'est mérité, parce qu'on a besoin de représentations masculines dans ce monde parfois un peu trop féminin. Ce n'est pas une critique, c'est juste que, oui, montrons que le tricot n'est pas que pour les femmes, qu'il est universel. Et d'ailleurs, dans certains pays, il est plus masculin que féminin. Voilà, donc il n'y a pas que les femmes qui tricotent, et c'est pas un hobby... pour les personnes qui ne font rien. Voilà, c'était juste un petit aparté. C'est voilà. C'est l'amour de la matière, c'est l'amour du temps passé pour quelque chose d'utile, et en plus ça fait du bien au cerveau. Donc messieurs, allez-y, mettez-vous à tricoter, allez voir le podcast de Clément, Monsieur Knitting, et j'espère qu'il continuera. Voilà, donc là je vais passer à la couture. J'ai deux t-shirts à coudre plus un pantalon. Et je suis trop contente parce que de passer un peu de temps pour moi, pour ma couture. Il est presque 15h. Est-ce que j'aurai le temps de faire les trois? On va voir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après,
il faudra que j'aille faire un petit cake et que je fasse un échantillon. Elle le tricote en quoi? J'espère que c'est pas aiguille 3, sinon je vais me retrouver en 2,5. Je viens pas regarder. Échantillon, 20 mailles par 32 rangs. Aiguille 3,5. Bon, je vais être en 3. Il y a des chances. Je vais faire mon échantillon en 3. Voilà, il est très beau ce gilet. Et ce que je vous disais, c'est que j'aime beaucoup sa forme très originale qui est resserrée donc par cette fausse bande de ceinture juste sous la poitrine. J'aime beaucoup. Et je pense que la dentelle est simple. D'ailleurs, elle est simple. Je la vois, je vois le diagramme. Elle est très simple parce que ça se voit hein, déjà qu'elle est très simple. Et en plus, elle se fait que sur les rangs en droit. Ça va être trop cool à faire. J'ai trop hâte. Donc, je vais m'en occuper, je ne sais pas trop quand. Mais là, on va faire de la couture. C'est parti. Alors, je mets les joueuses de fil en pause. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je les aime beaucoup. Enfin, je les suis pas depuis super longtemps. C'est une maman et sa fille. Et je trouve ça trop cool qu'elles fassent un podcast ensemble. Ce que j'aime bien. J'ai failli leur laisser un commentaire, mais je trouvais ça trop rigolo parce qu'à un moment, elles montrent le châle. Il s'appelle le châle avec le crochet et le tricot d'Emilie, d'atelier Emilie. Et elle s'engueule derrière. Elle dit, mais t'essaies pas mes châles, pourquoi tu mets pas les châles que je fais moi? Elles sont trop rigolotes. Voilà. Bref, si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Et comme ça, je vous en parle petit à petit. En même temps, je range mes affaires, puisque vous avez vu, j'ai fini. Je viens juste là, parce que c'est ma pause déjeuner. Je viens de finir et il me reste juste ça de noir. Ça, c'est cool. Donc, je viens juste de terminer les chaussettes Color Palette Socks qui ont mis un temps fou à se faire. Donc, voilà. On a la deuxième qui est là. Je vais laisser le petit dano marqueur dessus parce que je veux vous parler de certaines choses. Alors, elles sont pas pareilles. Hein. Elles sont pareilles, pas pareilles. Mais c'est pas grave. C'est volontaire, en fait. J'ai commencé par celle-ci. Vous vous souvenez, j'ai commencé par là, je vous ai dit, oh là là, c'est tout moche. Et regardez après, comme la tension, bon, elles ne sont pas lavées, hein, mais je me suis améliorée. C'est moins, je trouve, moins flagada. Il faut dire que la laine qui est là, la cisou, elle est plus épaisse. C'est une laine fingering, c'est celle-ci, mais qui est plus épaisse que de la fingering. Elle est plus dodue, c'est pas du tout le même fil, vous voyez. Donc forcément, la tension n'est pas la même. En tout cas, là, on voit une petite différence entre ma première chaussette et les aiguilles et ma seconde, où c'est un petit peu plus régulier. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Alors, c'était pas super fun à faire parce que je tricote en Magic Loop et que concrètement, il y a des rayures à faire. Et les rayures en Magic Loop, c'est un petit peu embêtant, faut se le dire. Surtout parce que je voulais pas que les rayures se voient. Donc je fais une petite technique qui est là. Hop. Sur celle-ci, j'ai fait la technique, j'ai fait un tuto vidéo. Je sais pas si je le retrouverai, je vous le mettrai ici. Attendez, ici. Donc en fait, vous tricotez normalement. Et ensuite, quand vous arrivez à la dernière maille, vous la repassez, vous la tricotez dans votre couleur ici, rose clair. Puis vous la remettez sur l'aiguille et vous la tricotez avec la couleur contrastante qui arrive sur le rang suivant. Et au rang d'après, vous allez relever les deux mailles pour les tricoter ensemble. Voilà. Donc ça fait ça sur le côté. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mis du temps à le faire, parce que ça m'a gavé un peu. Mais
On est d'accord, je pense qu'en plus au blocage, ça va bien se lisser, c'est plutôt chouette pour les rayures. C'est quasiment invisible, je trouve, donc c'est pas mal. Mais sur le second, je me suis dit, oh, ça me gave de faire ça, parce que après, en plus, il y a plein de fils, comme c'est des rayures, je vous montre. Hein. Bah, il y a plein de fils, hein. Voilà. Hein. Donc, il va falloir les rentrer. En fait, non, il va pas falloir les rentrer, il va falloir que je découpe juste, parce qu'en plus, j'utilise la méthode de Stephen West, là, le Stephen Weaven, qui n'est pas une méthode qu'il a inventée, mais qu'il a renommée. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de rentrer mes fils plus que ça. J'ai pas besoin de rentrer mes fils une fois l'ouvrage terminé. Donc là, j'ai fait autrement. Je vais vous montrer. Donc le Magic Loop, il est de ce côté. Non, il est de ce côté. Et je trouve que c'est presque encore mieux. J'ai simple. Oh non, c'est quand même pas toujours super. Je sais pas si je l'ai fait là, en fait. Mais vous voyez, en fait, ça va se mettre correctement. Là, j'ai juste glissé la maille. Là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait correctement. Mais là, je l'ai fait correctement, vous voyez. Donc, ça reste assez invisible. Là, je ne l'ai pas fait ici. Voilà. C'est ce qui fait que ça m'a pris du temps à les faire. En revanche, je pense que niveau élasticité, tout ça, je vais être vachement bien. Parce que, enfin, j'ai une taille, je trouve, correcte. J'ai fait des talons en rang raccourci. Je crois pas qu'elle préconise ça. Je sais pas, je me souviens plus. J'ai pas trop regardé le patron. Surtout qu'en plus, comme je me suis plantée sur mes... Les rayures, c'est pas ça normalement. Les rayures, je sais pas si le patron il est gratuit, je sais plus. Les rayures, c'est un rang en droit, puis trois rangs texturés, puis un rang en droit. Voilà, dans la couleur contrastante. Moi j'ai fait un rang en droit, un rang texturé et un rang en droit. Et non pas les trois rangs. Parce que je me suis plantée. Mais en fait, finalement, je trouve ça pas mal. Et après, donc ça, c'était ma première. Donc, j'ai commencé à faire cette couleur-là, puis celle-là. Arrivée sur la seconde, je fais celle-là. Et là, je me dis, ah, mais je me suis plantée. Non, arrivée sur la fin de la première, je dis, ah, mais je suis plantée, cette couleur, en fait, je vous la voulais là. Je me suis plantée. Et donc, ça fait un peu ridicule, ce bout-là, tout rouge. Donc, je me suis dit sur la seconde, ah, autant faire fun. Surtout que là, quand j'ai tricoté le fig, je m'étais plantée, c'était celle-ci, la Sweet Pink, que je voulais mettre ici. J'ai oublié. Donc, je me suis dit, allez, foutu pour foutu, on mélange, pouf, 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 et on fait deux chaussettes différentes. Voilà. Mais je suis contente du résultat d'un point de vue élasticité, mes aiguilles. Je pense que vraiment, je vais être bien dedans. Après, j'espère que les rangs, là, de texture vont pas gêner au porté. Je suis contente de les avoir terminés parce que j'en avais marre. Voilà. J'ai pas mis le purple de ma marque. Parce que là, du coup, ça n'allait pas. Et j'ai pas mis non plus la Jowl dans ce rose-là. Voilà, voilà. Il me manque un peu le ton. Ou à moins que je sois allée jusqu'au bout. Non. Il ne me reste pas grand-chose de mon mini de 20 grammes de figues. Donc, je l'ai pas mal utilisé. C'est cool. Ça, c'était le Strawberry de ma marque. Qui est un rouge rosé vif. Le Sweet Pink. Qui est ce rose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais en refaire pour en amener sur le laine fleurie. Il faut que je note. Et ça, c'est pas moi, ça. Voilà. Maintenant que j'ai fini ça. Mon sac de tricot de chaussettes est vide. Il faut qu'il se remplisse. Et je sais ce que je vais faire. Je vais monter les chaussettes. Ah, pardon. Je vous ai mis ça devant vous. Je vous dis ce que je porte après. Je vais monter les chaussettes de Simon. Donc ça, c'est un des coloris autorayants que j'ai fait de Dune. Dernièrement, là. Donc je vais les monter. Je suis trop contente. Le mini de 20 grammes et les chevaux de 50. Et je vais les monter très rapidement parce que ça sera la paire de chaussettes numéro 3 de Simon. Donc, je le mets dans le sac et bah, je ferai le caston la prochaine fois que je tricoterai et que je lirai. Donc, ce soir, en fait, il y a des chances. Je porte le Clotilde Cardigan. Et oui, alors il fait beau. On va avoir une semaine un peu pourrie. Et il fait un petit peu frais. Et en fait, il est très bien. Je l'ai mis par exemple, là, j'ai emmené Lucien à l'école tout à l'heure. Et ben, j'avais que ça.
Il y avait un petit peu de vent donc, qui passe à travers la dentelle. Mais finalement, je suis bien dedans, ça va. Quoi. Et vous avez vu, j'ai enfin trouvé l'usage, alors je vous montre, trouvé l'usage de mes boutons fleuris. Alors j'ai fait, j'ai plusieurs choses à vous dire là-dessus. Oups, pardon. Donc j'ai fait, la première, la boutonnière, c'est une vraie boutonnière qui est prévue. Et après, en fait, l'indication des boutonnières est inexistante dans le patron. En fait, elle n'est pas inexistante puisqu'on nous apprend comment faire la première. Et en plus, la façon est plutôt intéressante. En revanche, elle ne nous dit pas où les mettre. Mais c'est volontaire parce qu'elle nous dit vous les mettez où vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi faire des boutonnières en tirant sur les mailles. Ce que j'ai fait assez facilement finalement parce que on tricote avec des grosses aiguilles, donc simplement en étirant, en mettant mon doigt et en étirant, ça passe. Alors c'est trop cool. Voilà, en termes de longueur, il est parfait pour moi, je suis très contente. Et je le porte avec mon pantalon com que j'ai cousu hier en velours très fin mais qui va vite tenir chaud. Donc c'est pas grave, je vais le mettre autant que je peux là cette semaine. Et puis je l'aime bien, sauf que le tissu s'est froissé et ça a fait des plis sur le tissu quand je l'ai lavé. Bon après on va voir comment il va évoluer dans le temps. C'est pas un tissu que j'ai payé cher, donc je suis pas forcément fana en fait du rendu, mais c'est pas grave. Ce pantalon com, il est vraiment très sympa et simple à faire et j'aime beaucoup. Je vois un corbeau qui a un truc dans la gueule, enfin dans le bec, mais je sais pas ce qu'il a dans le bec. Il a piqué un truc, c'est énorme. Bon, j'ai commencé à coudre un t-shirt et puis ma surjeteuse ne voulait plus travailler, donc je me suis arrêtée en plein milieu de la couture. Je vais vous montrer. Et j'en ai eu marre en fait. Alors attendez. J'en ai eu marre, je me suis arrêtée. Alors que j'ai un autre t-shirt à coudre. Là, j'étais sur le plantain. J'ai même pas cousu l'encolure. Que je fais dans cette couleur, très sympa. Hein, je pense que je vais faire des. Je vais couper les manches pour en faire des manches trois quarts. Pour pouvoir le porter là. Voilà. Donc là, on est sur l'envers. Et ma machine, alors où est-ce que j'ai, voilà, ma machine là, je m'y suis surprise à 10 fois et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit mercredi je vais la nettoyer parce que je pense qu'en fait c'est ça qui va pas. Mais ce rose framboise là, il est trop joli, voilà. Et j'en ai un autre rose d'ailleurs à coudre, bref. Voilà, sinon, j'ai pas encore fait les cakes, il faut que je fasse les cakes de laine pour mes deux futurs projets. Là, le Vertices Unite de notre cher ami Steven West, qu'on va monter aussi début avril avec Cyrielle et Agnès Sorel sur les réseaux. Sandrine, voilà, je cherchais mon prénom. Et donc ça, c'est un mini-cal qu'on se fait entre nous trois. Ensuite, j'ai lancé le cal Ito Fude. Et là, il faut que je mette aussi en cake les laines de Arco Irisium. Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire une photo de l'échantillaine pour ce coloris-là, qui est le coloris Acorn de mon shop. Il est trop beau. J'adore ce coloris. Oh, j'adore. Effectivement, ça fait plus automnal. Mais voilà, fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Je sais pas si j'ai un... C'est celui-là en fait. C'est un que j'ai utilisé sur mon Exploration Station. Donc là, on est sur la base BFL. Je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il me reste un écheveau en stock pour que je fasse la photo avec. Mais sinon, je ferai la photo avec le cake. Je trouve ça sympa aussi. Donc ça, c'est l'échantillon que je vais mettre aujourd'hui. Et sinon, qu'est-ce que j'avais à voir? Bah, j'ai rien d'avancé de plus parce que j'ai avancé sur mes chaussettes. Je voulais les terminer. Je vais les mettre à bloquer. Et puis, ça sera bien. Et je vais pouvoir monter une nouvelle paire qui ne sera pas pour moi, donc cette fois. Mais je suis contente de enfin prendre le temps de tricoter mes auto-rayons. Voilà, voilà.
un projet terminé qu'il faut que je mette au blocage. Je le mettrai, voilà, je vais le mettre cet après-midi ou ce soir au blocage. Je vous laisse là, on se retrouve demain, je pense. Je vais certainement tricoter, peut-être que je vais tricoter cet après-midi un peu sur la capuche au lit, parce que je veux qu'elle avance, mais il faudra, je sais pas. Non, je pense que je vais quand même tricoter sur la capuche au lit, et puis demain ou après-demain, je me mettrai sur la Woodside Christmas Blanket, parce qu'il faut absolument que je tricote ma partie du mois. Sinon, je ne vais pas avoir le temps de le faire. On est le 25. Je tricote sur 2 jours, en fait. Je fais ça sur 2 jours. Et comme ça, après, on est bien. 2-3 jours, quoi. Et puis, je me suis fait aussi un petit rythme pour le wrap que je vais reprendre. Donc, je vous montrerai dès que je le reprendrai. C'est pareil, ça, je pense que je vais le reprendre plutôt en fin de semaine. En fait, ce week-end, on ne sera pas trop là. On part samedi après-midi pour aller voir des amis, puis après on sera en famille pour Pâques. Et donc du coup, je vais mettre en pause le rythme que je fais en ce moment. Et j'emmènerai des projets un peu tranquillou. Et puis de toute façon, ce sera les Caston du 1er avril avec le Itofu Day et le Vertices Unite. Donc j'ai trop hâte. En attendant, il faut que j'avance un peu ce que j'ai sur mes aiguilles. Voilà, tout simplement. Je vous laisse là, je vais ranger mes petites affaires et reprendre mon travail. On se dit à bientôt. Hello! Alors, je vous prends juste en ce mercredi. Il est 19h. Je n'ai pas touché à mes aiguilles depuis hier, 19h à peu près. Je n'ai pas eu le temps. C'est mercredi. Mon homme n'était pas là pendant 2 jours. Donc, il a fallu m'occuper de toute la maisonnée. Et voilà, tout seul, c'est pas pareil que à deux en couple avec quelqu'un qui s'occupe souvent de faire la cuisine, tout ça. Mais c'est pas grave, je vous parle quand même. Alors j'ai quand même fait des choses, puisque j'ai fait tous mes cakes pour les deux nouveaux projets que je vais faire en avril, à savoir le Vertices Unite de Steven West. J'ai du mal, je suis crevée. En fait, je suis super énervée, je suis pas crevée, je suis super énervée, je suis une pile. Et le Itofute cardigan, j'ai fait le premier cake. Et j'ai fait, à côté de ça, 20 cakes de laine à teindre pour mes futurs auto-rayants, plus 5 cakes des coloris que je vais mettre en échantillaine, en avril. Ce qui fait 25, plus 5, 30, plus 1, 31 cakes. Plus des mini que j'avais mis de côté parce qu'ils étaient tout emmêlés. J'ai dû faire une quarantaine de cakes en 3 heures. Oh là là. Et en plus, certains étaient vraiment emmêlés. Donc, c'était les petits pelotons, vous voyez. Ce qu'on n'aime pas particulièrement faire, je pense. Il faut être cool, il faut être zen. Voilà. Généralement, j'écoute un livre audio ou un podcast. Plus un livre audio qu'un podcast. J'ai terminé mon livre audio, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas grave, demain je prendrai le temps de faire l'échantillon, je pense, pour mon Itofu des cardigans, parce que j'aimerais pouvoir le monter ce week-end. Enfin, ce week-end, je sais pas trop, parce que ce week-end, on est un peu en vadrouille. Donc, je sais pas trop si j'aurai le temps de monter vraiment lundi. Si peut-être l'après-midi, je pense qu'on rentrera pas trop tard, je me prendrai le temps de faire le montage simplement. Pour le Vertices Unite, ça sera plus simple parce que c'est un châle, donc c'est une section toute simple et après il faudra remonter les mailles, je pense. Donc il n'y a pas de souci, puis je ne fais pas d'échantillon, je pense. Il faut que je vérifie la version de mon patron que j'ai imprimé, et pourtant j'ai l'impression d'avoir mis à jour parce que Cyrielle m'a laissé un commentaire sous mon réel sur Instagram pour me dire que j'avais peut-être pas la dernière version. Il faut que je vérifie. Voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est pas. Je sais pas ce qu'il a rajouté. Il a fait une mise à jour, mais je sais pas ce qu'il a rajouté. Bref. Voilà, mon homme rentre là tout à l'heure. Je porte quand même, je peux vous dire, les boucles d'oreilles que j'ai mises dans le shop dernièrement et qui vous plaisent bien. J'ai quasiment tout vendu. Il en reste peut-être une ou deux paires. Voilà, je les aime beaucoup. Mes petites boucles d'oreilles. Elles sont hyper légères, j'aime bien. Et je porte le What the Fade de Andrea Mori, qui est un châle en brioche, sauf que là, on la voit pas. Là, voilà.
Elle est là, la brioche. C'est un châle triangulaire. Bon, là, je le mettrai mal. Hein. Que j'ai fait dans un fade de l'incroyable Trélise. Tout en douceur, que j'ai ressorti pour le printemps, là. Et j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est dans des tons pastels. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vais prendre mon bouquin et je vais attendre que Simon ait fini son cours de batterie. Et voilà, je suis très contente. Ça me fait une demi-heure de pause imposée. Et donc, je ne fais pas grand-chose pendant une demi-heure. J'ai pris mon bouquin et ça va être très bien. Je vous laisse là et je vous dis à demain. Hello! Alors, on est jeudi, fin de ma pause déjeuner. Oula! Je vais tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous montrer. J'ai tricoté un petit peu ce matin sur le pull Love Note. J'ai enfin repris la deuxième manche. Je vous le montrerai demain. Je vais peut-être essayer de l'avancer après là. Là, je voulais vous montrer où j'en suis. Et avant, je voudrais voir si j'ai fait 20 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, il me manque 4 rangs. Donc, je vais encore faire 4 rangs avant de passer à un autre projet. Mais j'ai repris ma couverture Christmas Shadow Night. C'est un peu difficile de vous montrer, mais je suis en train de refaire des petits sapins bleus. Donc j'avais fini les cœurs, j'en étais à la fin de cette couleur là, marron, et donc j'ai refait tout ça, alors j'ai refait un peu mercredi, et un peu, voilà un petit peu quoi, je voudrais terminer la section aujourd'hui. En fait, si j'arrivais à terminer la section jusqu'au rang 16, ça serait pas mal, 15. Je pense que ce serait bien. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire tous les sapins en intégralité. Sinon, la section, elle est trop longue par rapport au mois. Mais j'ai quand même envie d'avancer. Donc, je vais faire mes 4 rangs en plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait le rang 11. Ouais. Je vais faire 4 ou 6 rangs. Je vais voir. Donc, voilà la couverture. Je ne peux pas trop vous la montrer. Mais depuis le début, j'ai fait ça. Ça avance doucement. Elle est grande, par contre. Alors, je voulais vous montrer, puisque là, on est d'accord que c'est du jacquard à 3 couleurs, puisque je commence à mettre du jaune ici. Regardez comment j'ai fait cette fois-ci. J'ai coupé des petits pelotons qui sont comme ça, et je les ai accrochés avec des petites pinces cam. Ça fonctionne bien. Quand le fil est trop tendu, je lâche. Bon, là, je lâche un peu. Voilà. Par contre, je pense que j'ai pris un peu trop de fil, c'est le risque. Mais c'est pas grave parce que je pense que je reprendrai cette couleur. Je pense que c'est la couleur que je reprendrai pour faire à nouveau là. Parce que là, j'avais pas fait avec des pelotons. Et c'était un petit peu embêtant. Le 3 couleurs, c'est un peu embêtant. Et du coup, ma tension n'est pas très très bonne, vous voyez. Et là, du coup, je pense que pour ma tension, c'est mieux. Je vais essayer de vous la remontrer dans l'autre sens sans tout emmêler. Je pense qu'on est, mieux pour la tension. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce que je vais avancer un petit peu. Je vais avancer un petit peu ça. Je n'ai pas commencé les chaussettes. Et j'ai avancé un tout petit peu la capuche au lit que je vais bientôt rejoindre en rond. J'aimerais bien essayer de la terminer sur ce mois-ci parce que comme ça fait partie de mon bingo, j'aimerais bien réussir mon bingo. On va voir, je vais essayer. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est répondre aux petites questions qui m'ont été posées. Donc je vais y aller, je vais aller voir et ensuite je reviens vous voir. Voilà, je viens de faire le récap des questions. Donc, on va partir avec mes captures d'écran. Alors, attendez, il faut que je les retrouve. Ah, j'ai une petite mine parce que dès que je regarde l'écran, j'ai mal aux yeux en fait depuis 2-3 jours. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que c'est aussi un effet de l'allergie. J'ai les yeux vraiment un peu explosés, donc je suis désolée. Mais bon, voilà. Je ne me maquille pas et je nettoie. Ça va passer. Et puis alors, l'écran, il suffit que je bloque et ça me fait pleurer les yeux en fait. Moi, tout va bien. Alors, première question.
est-ce que tu pourras nous dire comment tu entretiens tes orchidées, s'il te plaît? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Alors, il faut savoir que j'ai pas du tout la main verte. C'est assez étonnant quand on voit comment elles sont jolies. Ce que je fais, c'est que déjà, je pleure quand elles défleurissent. Je pleure sur elles. Peut-être que les larmes... Non, je plaisante. C'est une bêtise. Bref, je leur parle. Quand les fleurs tombent, ce qui arrive au bout d'un moment, je les laisse un petit peu au repos. Et à un moment, quand vraiment elles sont toutes parties, et qu'il est passé un petit temps, je dirais 2-3 semaines, je coupe au-dessus du nœud précédent. Voilà. Je vous montrerai la prochaine fois que je fais. Parce que j'ai une personne qui m'a dit « Est-ce que tu coupes à 3 nœuds ?» Alors non, je compte pas, je coupe en dessous. Ça marche. Et je les arrose pas comme il faut faire. C'est pas bien, je sais. En fait, normalement, ce qui est écrit partout pour les orchidées, comme ça, c'est qu'une fois par semaine, vous devez faire couler de l'eau et ensuite évacuer l'eau. C'est pas ce que je fais. Ça m'arrive de temps en temps quand je leur fais un petit entretien où je nettoie les feuilles, tout ça. Je fais couler l'eau, j'enlève l'eau et je laisse bien humide comme ça, on va dire une fois par mois. Et sinon, ce que je fais une fois par semaine, je ne mets pas de l'eau par-dessus la terre. Je rajoute un tout petit peu de fond d'eau en dessous. Voilà. Je veille à ce qu'il y ait toujours un peu d'humidité, mais pas beaucoup. Voilà. Voilà comment je fais pour mes orchidées, tout simplement. Je ne sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire. Ça a l'air de marcher, c'est la première fois. Je suis trop contente. Alors, il y a, vous m'avez demandé des vidéos d'organisation physique de la laine et du coup, je vais le faire. Peut-être pas tout de suite parce que je vous avoue, en ce moment, c'est le bordel. Dans mon atelier, là, je peux pas reculer ma chaise, quoi. Donc, je vais pas le faire tout de suite. Mais je vous le ferai, c'est promis. Je me le note dans un coin de ma tête. Alors, une personne me demande... toujours pas compris si cette démonstration de bijoux est un partenariat ou pas. Alors, c'est pas vraiment une question à moi-même. Hein. C'est une question qu'elle se pose de façon un peu abrupte, hein, quand même, il faut le dire. Un partenariat, ça peut être aussi un cadeau de bijoux, point d'interrogation. Même si vous n'êtes pas rémunéré, c'est quand même un cadeau ou pas, ces bijoux? Je ne crois pas que ce soit précisé dans cette vidéo. Alors, c'est pas un cadeau. Alors, ce n'est pas un partenariat rémunéré. Donc, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'obligation de mettre la mention de communication commerciale. Ça, c'est la première chose. Et en revanche, c'est un partenariat dans le sens où la marque Wouillard m'a contacté pour me proposer une sorte de budget à utiliser sur leur site pour que je m'achète gratuitement, entre guillemets, des bijoux qui me font plaisir, et si je le souhaite, que j'en parle. Voilà. Le truc, c'est que si j'en parlais pas, je pense pas qu'ils continueraient à me proposer. Hein. Donc voilà. C'est un choix parce que je trouve que les bijoux sont jolis. Alors, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je choisis, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me proposer des partenariats, notamment on m'avait contacté pour du matériel de sport, des bureaux, des choses comme ça. Dernièrement, j'ai une marque très connue qui achète souvent du matériel venu de Chine pour le vendre en gros, vous voyez à peu près de qui je veux parler, qui m'a contacté pour me proposer un partenariat rémunéré et qui voulait que je réponde par plusieurs biais. Donc voilà. Là, bien entendu, je n'ai pas dit oui. J'ai même pas répondu en fait parce que je ne suis pas dans l'obligation de répondre. Je ne souhaite pas, alors que pourtant ça aurait été intéressant pour moi. Hein, mais pour vous, j'ai pas envie de vous montrer des choses que je ne cautionne pas. Donc je le fais pas. Là, cette marque-là, elle est française. C'est une marque, effectivement, qui est venue vers moi, et non pas inversement, mais c'est une marque que je respecte, qui a l'air de prendre soin de ses salariés et de la façon dont les produits sont fabriqués. Les produits sont vraiment qualitatifs. Et effectivement, entre guillemets, je profite de ce partenariat pour recevoir des bijoux. Et
En revanche, c'est moi qui demande à ce que vous ayez un code promo que vous puissiez utiliser pendant un temps défini, souvent une semaine, et que vous puissiez avoir par mon biais une offre qui vous permette vous aussi d'aller vous faire plaisir si vous voulez. Alors effectivement c'est un partenariat, mais il est non rémunéré et sans obligation de communication. Donc si j'en ai marre, j'arrête de leur répondre que je veux. Voilà, il n'y a pas d'obligation de ma part en fait. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pas d'obligation non plus de vous mentionner que c'est une publication commerciale parce que je ne suis pas rémunérée pour cela. Voilà. Alors, concernant l'organisation, Madame Crocro, que je remercie ici, nous a mis un lien vers une vidéo de Crystal LK, que je suis et qui est très sympathique. J'ai pu discuter avec elle sur le dernier salon, comment ça s'appelle ? Malakoff. Vraiment, c'était cool de pouvoir discuter avec elle. Et elle est super carrée. Super efficace et elle a vraiment de l'expérience, donc moi j'aime beaucoup aller voir ses vidéos. Elle a fait une vidéo qui a pour thème comment organiser son stock de laine. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos et moi je vais aller la voir, je vais la mettre dans ma liste à regarder plus tard et je vous dirai ce que j'en pense ou enfin on en discutera. Il y a une personne qui me dit que je mets mes châles là sur ma chaise et me demande si j'ai pas peur de les déformer. Non, j'ai pas peur de les déformer. Alors, faut savoir que je suis très... je suis pas quelqu'un de précautionneux. Je sais pas si ça se voit à l'écran ou dans mon quotidien que je vous partage. Je fais mes habits, c'est pas quelque chose... mes chaussettes, je les passe à la machine. Je passe mes tricots en machine, en cycle laine. Je les protège hein, dans des filets, tout ça. Au quotidien, il faut que il faut que ce soit pratique. Et donc, si mon châle se déforme, ce qui est très rare en plus, j'ai jamais eu de problème vraiment de déformation. Non, j'ai pas eu de ce souci-là et je n'ai pas peur. Surtout, je n'ai pas peur parce que ce que je crée, il faut que ce soit pratique. Si c'est prise de tête, ça va pas. Moi déjà, c'est le truc. Si c'est prise de tête, je fais pas. Il faut, moi j'ai une vie active, hein, donc il faut que ça bouge avec moi. On m'a demandé aussi quelle était la marque de ma surjeteuse. Alors c'est une Brother, je crois, attendez. Une Brother Limited Edition 1034D. Je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous. Je devais la nettoyer mercredi. J'ai même pas eu le temps de respirer mercredi. Donc, ce week-end, ça m'étonnerait que j'ai le temps. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais recoudre. Et je pense que quand je vais recoudre, je vais d'abord bien nettoyer mes machines et me remettre à coudre. Pardon. Stéphanie Uloga, qui me laisse souvent des commentaires, elle aimerait bien embarquer sur le cal Itofude que j'ai lancé cette semaine. Qui va commencer le 1er avril, et elle craint un peu que la forme du gilet ne donne un gros focus sur son balcon fleuri. Donne-moi ton avis si tu es OK. Alors, il y a, comment elle s'appelle ? Cécile, que font mes mains ? A tricoté ce gilet, et Cécile a vraiment un joli balcon fleuri. Si tu passes par ici, Cécile, je te fais des gros bisous. Tu es ma référence en termes de balcon fleuri, j'aimerais tellement pouvoir être comme toi. Voilà, et je trouve que ça lui va extrêmement bien, au contraire, ça met en valeur son balcon fleuri. Après, à toi de voir si tu, assumes, parce que c'est ça en fait qui est important, de savoir ce que tu portes au quotidien. Va voir ses publications sur Instagram, je te mettrai le lien en dessous, tu dois connaître. Et je trouve que, d'ailleurs elle l'avait fait dans un de mes coloris en vert. Un coloris que je fais plus. Mais des verres, j'en ai plein à ma boutique. Alors, Delphine Jacquet, qui a déjà laissé des petites questions. Merci pour toutes ces vidéos que je regarde en tricotant. Et tu as bien raison. Merci à toi. On a dû déjà te le demander, mais comment fais-tu pour avoir autant de projets en cours, pour lire autant? Je regarde aussi sur ta chaîne lecture. Pour avoir du temps pour ta famille et pour travailler. As-tu trouvé le secret des journées de 48 heures?
On me pose, mais tellement souvent la question. Mais tout le temps, tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un côté hyperactif, donc il faut que je m'occupe. Je ne sais pas m'ennuyer. Alors, faut savoir que quand j'étais enfant, je m'ennuyais. Et il n'y avait pas tout ce qui était écran, j'avais pas le droit de regarder la télé tout le temps. Et mes parents faisaient beaucoup de choses créatives. Ma mère peignait et elle peint toujours. Mon père faisait il rempaillait des chaises. Il a refait toute la maison de ses petites mains. Voilà, il fait beaucoup de choses. Il fait du tissage, voilà. Donc, bref, de la musique, voilà. Donc, je pense que j'ai été élevée dans une famille où on m'a laissé m'ennuyer et créer. Et du coup, j'ai rempli ces heures-là, j'ai rempli ces heures de flottement de ma vie d'enfant en allant beaucoup dans ma tête, en réfléchissant à beaucoup de choses, en écrivant des choses, en inventant des paroles à des chansons. Enfin, je me rappelle encore vraiment des choses, j'inventais des histoires. Je bidouillais vraiment beaucoup, beaucoup. Je faisais plein de trucs. J'ai fait beaucoup de points de croix quand j'étais petite. J'ai vraiment toujours été très manuelle. Et je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées, un peu moins de romans, mais je lisais aussi pas mal. Et du coup, ça continue. Alors, c'est vrai que il y a le boulot toute la journée, mais je travaille de chez moi. Déjà, je n'ai pas de transport et donc je m'octroie des pauses où je fais soit un peu de tricot, soit je bouquine. Alors, je plus des pauses tricot dans ma journée que des pauses où je bouquine, qui sont plutôt des pauses du matin ou du soir. Il y a le vent qui se déchaîne dehors, c'est quelque chose. C'est terrible. Et du coup, en plus, je tricote et je lis parfois en même temps. Et j'ai l'impression de devoir me justifier, c'est ça qui m'embête un peu dans toujours toutes ces questions. Je pense que je tricote assez vite. Je dois lire aussi un peu vite. Et j'ai dans ma famille des enfants qui dorment tard le matin. Et mon homme aussi il se couche tard, il se lève tard. Enfin, le week-end. Donc j'ai beaucoup d'heures quand même où je suis toute seule, parce que moi je suis plutôt une couche tôt et une lève tôt. Et du coup, je fais ce que j'aime faire. Et dès que je peux faire ce que j'aime faire, je le fais. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. J'adore les moments où j'adore quand le matin, parce que mon fils Lucien aussi est un lève tôt. J'adore les matins où on se retrouve tous les deux pour bouquiner sur le canapé avant de commencer notre petit déjeuner. Parce que du coup, c'est un moment hyper zen. On se fait des petits câlins, on bouquine. J'aime beaucoup ça. Alors, on me demande, c'est Dani qui me demande ça, quel talon de bas fais-tu le plus souvent ? Alors, le plus souvent, c'est un talon après coup. D'ailleurs, je vous ai montré mes chaussettes en vidéo, là. C'est la première fois que je les porte, mes chaussettes en... Alors, je vais vous les remontrer. C'est mes chaussettes avec mes autorayants d'été. Et avec un icorn là. Je suis trop contente, elles me vont nickel. Parce qu'il y a une autre paire que j'ai faite courte comme ça, un patron de Marie-Christine Lévesque. Et elles sont extrêmement grandes. Je suis deg, je peux pas les mettre. À moins que je passe un élastique. Mais là, je suis un peu deg. Mais celles-là, elles me vont nickel. Et voilà, donc ça, c'était un talon après coup. Non. Pas du tout, c'est pas un talon après coup, c'est un talon en rang raccourci. Ça, c'est ce que je fais le plus simplement parce que je trouve qu'il tombe bien sur le pied. Sur mon fils Simon, le talon en raccourci tombe mieux parce qu'il y a plus de place avec le gousset. Mais moi, je dois pas avoir un pied énorme, donc en fait, ça passe. Voilà. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend des gens. Puis des fois, j'ai envie de tester des trucs. Mais globalement, si je fais des chaussettes à la vanille, pour moi, je fais un talon en rang raccourci. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit en commentaire sous YouTube, sous ma dernière vidéo, qu'ils étaient intéressés pour le cal Itofude. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous rajouter. Il faut que vous passiez sur Instagram et en message privé, vous m'envoyez un petit message privé. Tu me dis, est-ce que tu peux me rajouter au cal Itofude? Et je le ferai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Le cal commence lundi prochain. Donc, voilà. Et on m'a demandé aussi comment ça fonctionnait. Alors, en fait, c'est hyper simple. Hein. Donc, il faut aller sur Instagram parce que ça va avoir lieu sur Instagram. Et être rajouté au groupe de discussion. Enfin, il n'y a même pas d'obligation, en fait. Hein. Si vous voulez pas être rajouté au groupe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser simplement le hashtag CalItofude2024.
et poster sur Instagram, soit en story, soit sur, soit en post sur votre mur, une photo de votre projet, de vos laines, de votre projet en cours. Il n'y a pas, il y a une date de début que vous pouvez respecter ou non, vous pouvez nous rattraper. Et puis il n'y a pas de date de fin. Parce que, en fait, je ne vois pas pourquoi je mettrais une date de fin. Toutes les personnes qui veulent continuer. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que le groupe s'essouffle naturellement au bout de quelques mois, quand tout le monde a quasiment terminé son projet. Mais jusqu'au bout, j'estime que voilà, les dernières personnes qui auront partagé sur le groupe pourront simplement participer, quoi. Donc, il n'y a pas de règles précises. C'est juste du fun et du partage. On me demande si je vais participer au Knit It cette année. Et oui, je vais participer au Knit It. Trop contente. Je serai à l'étage cette année. Il y a deux niveaux. C'est pas dans le même lieu que d'habitude. Et je vais être à l'étage sur la route pour aller vous sustenter. Et, ou alors, si vous avez besoin d'aller au petit coin, vous pourrez passer devant chez moi. Je serai avec Gaëlle à nouveau, Galounit, qui va m'accompagner sur le stand et c'est trop cool. Je la remercie par avance parce que c'est du boulot. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, on a fait le tour des questions. Bon, on se retrouve demain pour finir, vous montrer un petit peu mes dernières avancées. Et j'espère que le temps va se calmer parce que ce vent me... J'aime pas ça, le vent, ça m'énerve et ça me fatigue en même temps. Je vous laisse là, on se retrouve demain. Alors, hello, du vendredi matin, avant de travailler, il est 8h20, toute la famille vient de partir pour aller à l'école, au boulot, tout ça, et c'est l'heure où je mets à jour mes projets, et tout, mes lectures, voilà. Bref, hier j'ai eu un mal de tête assez incroyable toute la journée, ce qui m'a un peu, c'était un peu compliqué pour bosser, voilà, puis hier soir j'étais crevée, donc je me suis couchée tôt. Je me suis réveillée tôt et je suis encore un peu nébuleuse. Voilà, je sens que c'est pas très loin. Ce soir, c'est spectacle de groupe d'ensemble de guitare. Et puis après, on va chercher mon fils qui revient du théâtre. C'est encore un peu... voilà, il y a pas mal de choses. Et ce week-end aussi. Voilà. Donc, je sais pas trop, en fait... ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais voir si je vais commencer le vlog cet après-midi et je verrai si je le continue. Peut-être ce sera un peu chaotique parce que jusqu'à lundi, ça, je ne serai pas vraiment là. Mais bon, en même temps, je pense que je vais quand même avoir envie de tourner parce que j'aime bien venir vous papoter un peu. Aujourd'hui, je vais faire de la mise en ligne de produits. Donc, quand cette vidéo sortira, il y aura des nouvelles couleurs. Que je vais vous montrer. Donc, j'ai teint. Vous savez que j'aime bien m'inspirer de romans qui m'ont plu.
Et là, je me suis inspirée d'un des livres qui m'a transportée et qui m'a fait découvrir une plume que j'adore aujourd'hui, une plume classique et américaine de femme. C'est Edith Wharton et j'ai adoré lire et découvrir Le temps de l'innocence particulièrement, que j'ai lu dans cette très belle édition, je vous mets la photo ici. Et donc je me suis inspirée de ça pour créer cette couleur là, Le temps de l'innocence, avec des petites variations. Voilà. Hop. Et parce que il y a un des personnages principaux est d'ailleurs qui est joué par Michelle Pfeiffer dans le film de Scorsese. S'appelle Madame Olenska, la comtesse Olenska pour être plus précise, m'a inspiré cette couleur. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur des bases mérino nylon. 75% mérino superwash, 25% nylon, et ça fait 100 grammes, 400 mètres. Donc ces deux couleurs vont sortir aujourd'hui. Et j'ai fait des combos, des petits kits à chaussettes, Le temps de l'innocence. Ça c'est le même. Je crois que j'en ai un aussi là, avec la comtesse Olenska. Voilà. C'est très joli. Plein de nuances, mais c'est sympa, vous voyez. Mais ça reste dans les mêmes tons. Ce qui est plutôt sympa pour des chaussettes. Ça marche aussi avec de la dentelle ou des chaussettes à la vanille. Voilà, donc il y a ces petites beautés vont arriver aujourd'hui dans le shop. Et voilà, c'est la nouveauté shop du jour. Sinon, côté tricot, on en est où? Alors ce matin, comme je me suis réveillée un peu tôt, j'ai avancé sur ma deuxième manche du Love Note. Donc on est pas mal. Hein. Je ne sais pas si je reprends le corps. Je vais l'essayer après. Bon, c'est une taille S, alors ça ne me va pas trop. Mais franchement, je suis pas loin hein, de la manche. Hein, vous voyez? Il va falloir que je mesure. Je suis vraiment pas loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer ce matin, je pense. Je vais terminer la manche ce matin. Et je vais prendre la décision si je reprends le corps ou non. Qui est très très court. Après, en fait, le corps, j'ai juste à enlever les rangs raccourcis et peut-être à l'allonger un peu. J'hésite. Je viens juste d'entamer les deuxièmes écheveaux. Donc, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire. Donc, c'est possible que je défasse et que je rajoute 4-5 cm parce que je trouve ça un peu court quand même. Voilà. Et sinon, la couverture, je l'ai un tout petit peu avancée. Et en fait, je pense que je vais encore tricoter. Je pense que je vais essayer de terminer les sapins en fait. J'en suis là. Je sais pas si où on en était quand je vous l'ai montré hier. Mais il y a des chances que je termine les sapins. Que je termine le bleu là. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, donc c'est possible que je la reprenne. Et sinon j'ai fait aussi l'échantillon pour le Itofude Cardigan ici. Donc c'est un échantillon avec une charte de dentelle. Et au lieu de prendre des aiguilles 3,5, j'ai pris des aiguilles 3 et je suis bien. En fait, elle explique que si on fait deux fois, en fait j'ai répété deux fois la dentelle, comme elle le préconise, en fait je ne l'avais pas vu au début, elle dit 20 mailles par 32 rangs, 10 cm. Donc quand j'ai calculé ce matin, moi j'étais plutôt à 24 mailles sur 32 rangs. Mais j'ai pas du tout étiré, j'ai pas fait ça sur mon échantillon. Et ensuite, elle a écrit ou 24 mailles et 16 rangs pour le chart A, 2 fois 2 répétitions du motif, ce que j'ai fait égale 12 cm. En après blocage, légèrement étiré. J'ai pas beaucoup étiré. Mais vous voyez, un potentiel en fait d'étirement, sauf là-haut parce que j'ai fait un montage assez serré. Et donc, je pense que si je tire un peu, je suis OK, en fait. Donc, je vais rester en 3 mm. Et je suis OK sur l'échantillon.
voilà, je vais pouvoir le partager avec les tricopines sur le groupe Instagram et je suis bien contente. Parce que je vais pouvoir le monter lundi. Voilà, voilà. J'ai trop hâte. Est-ce que je vous ai montré les couleurs du châle? Est-ce que je vous les ai montrées? Je ne suis pas sûre. Et en plus, je ne me souviens plus du nom des couleurs. Alors, on n'est pas bon. Je vais monter le Vertige... Je ne sais plus. Je couperai la séquence si je vous l'ai déjà dit. Donc, je vais monter le Vertige Unite de Westknit. Et les couleurs, je vous l'ai montré peut-être en écheveau, mais j'ai fait des inserts. Donc là, en fait, on est sur du laine amourée. Globalement, il y a 4 écheveaux de laine amourée, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un, je ne suis pas sûre de moi. Celui-là, j'en mettrai ma main à couper, que c'est aussi Atlas 50% bébé chameau, 50% soie. En revanche, je n'ai pas le nom de la couleur. Voilà. Celui-là, oui, c'est ça, parce que là, j'ai l'étiquette. Lingot de safran, il est très très beau, ce jaune doré, il ressemble un peu à mon Golden Julien mais un peu plus sombre. Ça c'est par la barbe d'Agrid et c'est aussi Atlas, donc la base Atlas c'est toujours chameau et soie, donc je vous raconte même pas le soyeux et la douceur de la chose, ça va être parfait pour cet automne, parce que moi je le tricote vraiment pour cet automne. Après j'ai un bout de ça et je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être la même base, mais en fait non, parce qu'il n'est pas twisté pareil. Mais je pense que c'est du laine amourée aussi. Il faudra que je vérifie dans mon stash. J'ai un petit bout que j'avais commencé à tricoter, mais je le mets avec parce que je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Et ça, je sais qu'il y a du chameau dedans. C'est un écheveau que j'avais divisé. En fait, c'est un écheveau que j'avais acheté pour tricoter avec ma copine Sophie, un châle que j'ai pas fait. Est-ce que je l'ai fait? Je sais plus. Et en fait, il lui en restait, donc elle me l'a donné. Et je sais que c'est... comment ça s'appelle? Il y en a... Squirrel Yarns. Il y a un nom d'animal. Oui, oui, c'est un petit... j'ai squirrel dans la tête, donc j'arrive pas à trouver. Hein. Un petit... voilà. N'est-ce pas? C'est le matin, on ne voudrait pas. Donc voilà, toutes mes couleurs sont là. Et là, il faut quoi comme un jeu d'aiguille? Déjà, il y a 2 tailles. Petite taille et grande taille. Et en fait, elle dit quoi? Il dit quoi? En fait, je ne sais pas si je vais avoir assez. Notamment de gris et de beige. Le truc, c'est que les... Je vais peut-être faire la petite taille quand même, parce que je trouve que déjà, en fait, ce qui présente en photo, c'est la petite taille. Et moi, comme je tricote lâche, j'hésite. Et les aiguilles, c'est des aiguilles 3,5, donc moi, je vais faire en 3. Ah non, en fait, il y a un où il utilise une couleur, et ensuite, pour la grande taille, et ensuite, il utilise 50 grammes de chaque. Donc, je pense que c'est bon. Je pourrais faire la grande taille, et je ne me suis pas encore décidée, c'est terrible. Hein. J'arrive pas à me décider. Et je pense que les deux iront bien ensemble, mais je ne les mettrai pas à la même date. Voilà, et je vous ai pas dit pour, je vous l'ai déjà dit je pense, pour la couleur de mon Itofude, c'est de la Arco Iris Yarn et c'est sa base Yakari, qui est aussi un petit mélange de douceur, parce que c'est Merino, Soie et Yak, avec ce très beau nom de Nausicaa, qui est un de mes personnages aussi préférés des mangas. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais commencer ma journée de travail dans un petit moment. Je vais aller mettre à jour mon... Le matin, en fait, je fais ça. Je mets d'abord à jour mes lectures sur Livre Addict. Et ensuite, dans mon suivi Google Drive. Ensuite, je mets à jour mon dessin. Et en fait, je mets à jour ce que j'ai fait hier. Et hier, j'ai tricoté... Qu'est-ce que j'ai tricoté? La Woodside Christmas Blanket. Et c'est tout. Je vais faire ça. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et il y aura le bilan entre-temps aussi. Donc il y aura 2 vidéos la semaine prochaine.
J'ai très hâte de piocher mon nouveau bingo. Il faudrait que je termine ma capuche au lit d'ici dimanche. On va voir. Je vais la reprendre certainement cet après-midi. J'aimerais bien la terminer, mais je suis pas sûre. Et c'est pas grave, j'aurai une case que j'aurai pas finie. Et c'est pas très très grave. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et puis un bon week-end prolongé pour ceux qui l'ont. Moi je l'ai aussi, donc je suis bien contente. On va partir, se faire chouchouter à droite à gauche, ça sera très sympa. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. Allez, bye bye.